Alléluia, est-ce qu'on peut se lever? Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour ce jour spécial où nous commémorons la naissance de Jésus? Nous l'avons dit, nous savons qu'il n'est pas né un 25 décembre. Mais quelle joie, quelle grâce de célébrer le fait que Jésus est venu sur la terre. Seigneur, nous te remercions de ce qu'un jour tu es venu, tu as apparu, tu as quitté l'éternité, tu as vécu comme un simple homme, tu es rentré dans une enveloppe humaine et tu as accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi tu étais souverainement élevé et reçu le nom au-dessus de tous les noms. Merci. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu, couronné d'éclats et de magnificence. Le Fils de l'homme reviendra. Il est venu une première fois et il reviendra une deuxième fois. Et ce jour-là, on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Merci d'avoir entendu les cris de l'humanité. Le lion de la tribu de ce jour-là, le jour de sa venue, on ira. Allez. Ce jour-là, lorsqu'il est venu pour la première fois, ils ont dit Hosanna, l'année des cieux a paru. Une couronne céleste a apparu sur la terre et a dit ce jour-là, le jour de ta manifestation, Hosanna au Fils de David, béni soit le règne qui vient. Ce jour-là, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la gouvernement. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Prince de paix, Père éternel, Conseiller, Dieu puissant. Il parlait de sa première venue. Un enfant est né, mais le Fils a été donné. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Le fait que l'enfant est venu, parce que le Fils a été donné. Ce jour-là, voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Et si le monde prend le temps de se souvenir, si le monde prend le temps de dire que tu as paru sur la terre, aujourd'hui nous ne nous tairons pas. Nous aussi nous célébrerons et nous rappellerons la véritable signification de ta naissance, la véritable signification de ta venue. Ce jour a déjà eu lieu. C'est le jour où notre histoire a commencé à être écrite. C'est le jour où la lumière s'est levée. C'est le jour où la gloire de Dieu est apparue sur la terre. On ira. Et c'est ce que l'on dit dans le ciel. C'est le son émis dans le ciel. Le jour où le Christ naît encore, où le Christ est encore manifesté sur terre, à travers ma nouvelle naissance. On a
commencé cette mélodie il y a 2000 ans, elle continue encore chaque fois. Chaque fois que Dieu révèle une enveloppe humaine, c'est de cela qu'il s'agit. Ce jour-là, on ira. Lorsqu'on voit ta vie et ma vie, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, les anges disent, béni soit le règne. Béni soit le règne qui vient. C'est ce qu'ils ont dit à la naissance de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit, parce qu'il était né d'Esprit Saint, et c'est ce qu'ils disent dans le ciel, chaque fois qu'une personne accepte Jésus dans sa vie, il discerne qu'un roi s'est levé. Il dit, béni soit le gouvernement de Dieu. Ce jour-là, merci de ce que ma nouvelle naissance a donné droit à la même mélodie. Béni soit le gouvernement de Dieu à l'intérieur de l'être humain par le Saint-Esprit. C'est ce que nous célébrons. On ira. Hosanna, Hosanna. Ce jour-là, ce jour-là. Ce jour-là, on ira. Hosanna, Hosanna. Ça veut dire, nous accueillons le règne de Dieu Hosanna. Par la personne du Saint-Esprit. Ce jour-là, ce jour, c'est chaque on jour. Ira. Il a été activé il y a 2000 ans. Hosanna. Mais il est manifesté au quotidien. Hosanna. Il est perpétué au quotidien chaque fois qu'une nouvelle personne reçoit le règne de Dieu à l'intérieur de son cœur par la personne du Saint-Esprit. Merci pour ce jour. S'il n'y avait pas eu le premier jour, s'il n'y avait pas eu le jour de la naissance de Jésus, il n'y aurait pas eu les autres jours. Mais nous te rendons toute la vie. Ce jour-là, ce jour-là, oh, Hosanna, Hosanna. C'est dans la grâce de ce jour. Nous célébrons ce jour. Nous ne savons pas quel jour était exactement. Notre vie a changé parce qu'il y a eu ce jour. Merci de nous accorder la grâce de valoriser et d'être reconnaissant pour ce que tu es venu au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Qui est dans la joie d'avoir choisi la bonne part aujourd'hui? Et d'être dans le bon jour, c'est le jour du Seigneur. Quelqu'un dit Amen et vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à notre grande et merveilleuse famille qui est avec nous en communion sur Internet. Amen, on est ensemble. Dis Amen. Avant de vous partager, j'avais prévu aujourd'hui, voyez, jour spécial, et je tiens à rendre grâce à Dieu pour la troupe qui a fait ce travail en moins d'une semaine. J'avais juste pas envie de... Je n'ai juste pas envie de parler comme d'habitude. Donc je leur ai demandé d'improviser quelque chose de rapide qu'ils ont fait rapidement. Et voilà, je tiens à les remercier pour leur effort parce qu'ils étaient là tous les soirs. Pendant que plusieurs étaient en train de faire les courses dans les supermarchés, ils étaient en train de répéter. Et donc nous sommes reconnaissants à Dieu pour leur consécration. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, pas dimanche prochain. Dimanche prochain, il n'y aura pas de culte, ce sera le premier. Nous avons notre culte du 31, notre culte de traversée, le samedi prochain, au Palais des Congrès de Montreuil. Et ça va être un superbe moment. Donc vous qui êtes en communion avec nous sur Internet, en tout cas, invitez le monde. On a pris tout le site, hein. On a les 5000 places. On a les 5000 places, donc t'inquiète pas, tu peux emmener. L'année dernière, on a dû fermer le site parce qu'on avait été 3500 personnes. Là, on a pris toutes les 5000 comme à la conférence. Et je crois que le monde viendra. Les gens en soif de Dieu, après nos superbes 21 jours qui ont fini avec un 22e jour de feu, où le Saint-Esprit a tellement fait,
Je nous supplie encore une fois de plus, vous voyez. Bon, tout à l'heure, j'écoutais, j'avais pas le coffret encore. Je l'avais pas, j'avais pas le coffret des 21 jours, donc j'ai écouté dans ma voiture. Mais c'est compliqué d'écouter sur YouTube, parce que dès que je veux chercher quelque chose, dès que je quitte la page YouTube, ça s'arrête. Je sais pas pour ta voiture, mais moi, ça s'arrête. Donc, j'ai envie de... Non, franchement, ça vaut la peine de baigner dans cette atmosphère des 21 jours. Je t'en supplie. Enfin, c'est pas moi. Ton homme intérieur te supplie. Il dit là, s'il te plaît, laisse-moi baigner dans cette présence, dans cette gloire, parce que je suis en train de me fortifier. Et ça a été beaucoup suivi de l'étranger. Beaucoup de gens à l'étranger ont suivi ça. Waouh, simplement. Beaucoup de gens m'ont dit, pasteur, j'ai fait les 21 jours, je suis dans les 21 jours. Vraiment, on bénit Dieu. On apprend à célébrer ce que Dieu fait. Voilà, le coffret est disponible à la librairie. Je ne sais pas s'il y en a assez, mais en tout cas, il est là. Quelqu'un dit amen. Et le 31 décembre, c'est notre habitude. Si vous nous avez rejoint depuis moins d'un an, nous nous sommes habitués, c'est des bonnes habitudes, le 31 décembre, de venir devant Dieu. Avant que les hommes n'aillent voir le chef de l'État français, nous, on va voir le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité pour lui présenter nos vœux. Les vœux, ce sont des prières. Les vœux, ce sont des prières adressées à Dieu et toujours accompagnées d'une offrande. Tu vois, on ne présente jamais les vœux au chef de l'État en disant juste « Bonne année, monsieur le chef de l'État ». Jamais. On vient toujours avec un cadeau et c'est ce que nous faisons. Je crois que les hommes l'ont pris dans la Bible parce que, au temps biblique, déjà, on allait dans la présence du roi toujours avec une offrande, avec un cadeau. Amen. Et c'est ce que nous ferons encore cette année, comme tous les ans. Nous avons un formulaire. Vous avez un formulaire que vous pourrez récupérer. Vous avez déjà récupéré d'ailleurs. Hein? Seigneur, avec toi, avec foi, je te présente mes vœux et mon offrande pour 2017. Avec foi, je te présente mon vœu et mes offrandes pour mon offrande pour 2017. Et dedans, il y a sur le plan spirituel, familial, relationnel, financier, matériel, professionnel, les études. Et tu vas remplir ça et nous allons les déposer avec cette enveloppe et nous allons l'accompagner avec notre offrande d'action de grâce et notre vœu, donc qui est notre vœu. Est-ce que quelqu'un me suit? On le fait chaque année et on va encore le refaire cette année. Et j'ai toujours hâte de ce jour-là. Pour moi, c'est un jour de sacrifice. Et mon épouse et moi, bon, nous, ça c'est nous, pas toi, mais ça c'est nous. À chaque année, c'est toujours tout notre salaire qu'on envoie dedans. Et ça veut quand même dire qu'il faut avoir anticipé quand même. Parce que si on voit tout ton salaire, il faut quand même avoir anticipé les mois précédents. Donc voilà, mais tout le monde n'est pas obligé de faire pareil. Mais ce qui est important, c'est de venir avec un vœu qui est une expression de ton respect et avec la prière. Quelqu'un dit amen. C'est clair pour tout le monde? Dis à ton voisin, c'est une très bonne habitude. Voilà. Et nous allons, voilà, et avec ça, donc nous allons commencer, excusez-moi, nous allons commencer l'année avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, et ça va être un moment formidable. Ne ratez surtout pas ça. Quelqu'un me dit amen. Voilà. Nous viendrons. En tout cas, je crois vraiment que nous nous sommes bien chargés spirituellement avant d'entamer la nouvelle année. Et je vous avais dit que pour clôturer nos 21 jours de jeûne, j'avais cette conviction qu'on allait faire une offrande. On fait toujours une offrande à la fin. Il y en a qui le font tous les jours. Nous, on fait ça une seule fois à la fin. Dis amen. Et j'ai parlé d'une offrande spéciale. Moi, j'avais reçu 365, mais je ne savais pas en fait à quoi ça correspondait. Je savais juste que c'était pour 2017. Je ne savais pas à quoi ça correspondait. Et là, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais alors, c'est quoi la différence entre l'offrande des vœux de l'année et puis l'offrande de 365? Et j'ai dit la dernière fois, le vendredi, que ceux qui ne peuvent pas donner 365, ce n'est pas grave. Donne ce que tu peux, mais donne quelque chose. Voilà. Et hier soir, il m'a dit, en fait, l'offrande qu'on a donnée à la fin des 21 jours de jeûne, j'ai entendu que c'est une offrande pour activer l'onction d'une nouvelle dimension de prière en 2017. Donc, ça veut dire que sur les 365 ou 4 jours de 2017, j'ai la conviction que ta vie de prière, ta dimension de prière sera complètement transformée. Non, j'ai cette conviction, je ne sais pas, c'est toujours pour celui qui croit, hein, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour celui qui croit. Mais celui qui croit, il y aura vraiment une nouvelle dynamique de prière. Et si tu as compris que la prière est la clé de la force de l'homme intérieur, alors tu ne sous-estimes pas ça, tu es déjà enthousiaste parce que 2017 ne te trouvera plus faible au nom de Jésus. Tu seras puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans ton homme intérieur. Quelqu'un me dit amen. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu l'as fait, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas fait, tu peux la faire aujourd'hui. Mais c'est de ça qu'il s'agit.
onction, d'une nouvelle dimension de prière en 2017. Enfin, pour finir, je voulais vous présenter. Ah non, il y a aussi le panneau, ambassadeur bâtisseur du royaume. J'ai besoin que vous me... J'ai demandé 1000 personnes. Je vais trouver les 1000. Donc, je compte sur toi et sur ton voisin. 1000 personnes. Je sais que la plupart d'entre nous, on a déjà commencé à contribuer. Mais là, on ne parle pas que de contribuer. On parle également de trouver d'autres personnes qui vont contribuer. Donc, tu remplis la fiche. Tu fais comme moi. Tu remplis la fiche. C'est ce que j'ai fait au début. Tu remplis la fiche. Puis après, maintenant, tu vas chercher. Et tu vas te conduire. Non, ne te dis pas, est-ce que je vais pouvoir trouver 5 personnes? Non, tu vas les trouver. Remplis, c'est une preuve de ta foi. Et puis tu vas les chercher et tu vas faire l'évangéliste. Tu n'as pas envie de semer dans les bâtisseurs du royaume, toi? C'est quoi, de quoi il s'agit? Ah, oh, mais on construit un super centre de conférence, un des plus grands villes de France. En bon, je me sème dedans. Si il dit je ne sème pas, tu dis c'est pas toi que. C'est, tu n'es pas la bonne personne. Dis-moi amen. Amen. Voilà, donc ne craignez pas. C'est une preuve de foi et confiance. Dieu va incliner les cœurs et Dieu va conduire tes pas. Mais on a besoin de 1000 personnes pour réaliser ce projet. Dis amen. Amen. Voilà. Est-ce que je peux compter sur vous? Amen. Vous savez que une des plus grandes manières d'encourager les pasteurs, c'est juste ensemble de marcher sur la parole. Une des plus grandes manières de nous encourager, c'est pas de me dire que Dieu te bénisse. Je suis déjà béni. Tu vois bien, non, franchement. Hein? Mais j'accepte la formulation. Mais une des plus grandes manières de nous encourager, c'est de ne pas nous laisser seuls croire. De ne pas nous laisser être les seuls à croire et à pousser. Mais qu'on soit ensemble nombreux à pousser. C'est le meilleur des encouragements. Parce qu'au moins, tu ne te sens pas vidé, tu ne te sens pas fatigué, parce que tu sais qu'on est vraiment une famille et qu'on porte. Je ne te demanderai jamais de faire quelque chose que je n'ai pas fait avant toi. Donc quand je te dis « levons-nous », c'est parce que je me suis levé avant toi. Quand je te dis « donnant », c'est parce que j'ai donné avant toi. J'ai donné avant et j'ai donné beaucoup plus. Donc je sais de quoi je parle. Mais le meilleur des encouragements, c'est voilà, qu'il y ait des harons, qu'il y ait des hurs qui portent avec toi la charge. Parce que ça veut dire qu'ils croient. Je ne sais pas pourquoi l'acclamation de ton voisin était si molle, mais en tout cas... Enfin, j'ai le plaisir, vraiment, je sens une immense gratitude... vraiment au plus profond de moi envers le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite d'écrire ce livre qui est tellement important, Vivez l'extraordinaire divin. Et je crois vraiment que par la grâce de Dieu, il m'a inspiré ce livre et je peux l'écrire. Je peux le partager. Parce que je crois en la vie qu'on appelle la vie extraordinaire, la vie abondante. Et c'est cette vie que Dieu veut que nous vivions. La vie que Jésus est venu donner au monde. Et avec moi, c'est mon partage. Il faut que tu la manifestes. Mais là-dedans, c'est le premier volume. Le deuxième volume arrive. Le deuxième arrive. D'ici quelques semaines, il va sortir également. Je suis en train de finir de l'écrire. Mais c'est vraiment important. Je sais que toi, tu attends. Le mystère des hôtels. Oui, mais si tu n'as pas compris ça à un moment, les hôtels, là, tu n'as pas les traverser. Les hôtels vont te bloquer parce que la clé des hôtels, pour triompher d'un hôtel, c'est comprendre le secret ici. Il ne faut pas être conscient des hôtels. Il faut d'abord être conscient de la réalité de Christ. Amen. Vivez l'extraordinaire divin. Et je bénis Dieu parce que je crois que cette vie est possible, parce que je sais que je suis en train de le vivre dans mon esprit. On peut être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans son homme intérieur et pas affaibli. Tu es toujours fort. Ton âme n'y a ni amertume, ni peur, ni angoisse, ni panique, ni rejet, ni culpabilité. Ton âme est dans le repos et saturée par l'amour de Dieu. Quand tu opères dans cette dimension, tu es en train d'opérer déjà dans l'extraordinaire divin. Ton corps est vivifié. Il n'y a pas une douleur qui entend. Et quand il y a une douleur, elle va partir parce qu'elle doit partir. Elle est rentrée, elle doit finir par sortir. Dis amen. L'extraordinaire divin, c'est la vie que Jésus est venu nous donner. Et je bénis Dieu parce que je crois en toute humilité que je sais de quoi je parle quand j'enseigne là-dessus. L'extraordinaire divin dans ton mariage, mon gars, où tu es heureux. Chaque matin, tu es heureux. Tu vois ton épouse ou tu vois ton époux, tu dis Seigneur, merci. Que cette vie soit ton partage au nom de Jésus. L'extraordinaire divin dans ton foyer, l'extraordinaire divin dans tes finances, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux faire, ce que Dieu te met à cœur de faire, tu le fais, tu ne te sens pas frustré parce que tu vis une vie de possibilité, de déploiement. C'est possible. Tu n'as pas besoin d'être un homme d'affaires, tu as juste besoin d'être un véritable adorateur. Oh, l'extraordinaire divin dans ton ministère, dans ton appel.
une présence t'accompagne qui est extraordinaire. Quand on voit ton couloir, quand on voit, on te voit opérer dans le couloir de ton appel. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, mais tout le monde est appelé. Mais quand on te voit opérer dans ton couloir, on dit, ah, ça c'est pas normal. Parce que normal, c'est miraculeux. C'est pour ça que c'est pas normal. Quand on te voit, on dit, ah, ça c'est étonnant. C'est parce que ça cause l'étonnement. C'est ce qu'on appelle un prodige. Et ensuite, tu deviens un signe pour ta génération. Les gens te voient et ils disent, non, si Dieu l'a fait à travers lui, c'est qu'il peut le faire avec tout le monde. Ça veut dire que tu deviens un signe. C'est ça l'extraordinaire divin. Quelqu'un me dit amen. Bon, maintenant, en un quart d'heure, en un quart d'heure, je dois partager la pensée que j'ai reçue sur Noël. Mais en fait, ils ont déjà tout dit, mais je vais quand même revenir sur ce qu'ils ont dit. On sait tous que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais on bénit Dieu parce que Jésus est né. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Alléluia. C'est bon? Amen. Alors rapidement, je voulais vous partager quatre puissantes vérités que révèle la naissance de Jésus. D'ailleurs, tout à l'heure, ils ont triché sur mon message de ce matin parce qu'ils n'ont pas dit la troupe, la compagnie théâtrale a donné la définition de Noël, mais au premier culte, ils n'ont pas dit ça parce qu'ils ne savaient pas. Ils ont pompé sur mon message. Repentance immédiate, la troupe là. Parce que maintenant, les gens savent. Parce que j'ai posé la question au premier culte, que signifie Noël? La plupart des gens ne savent pas ce que signifie Noël. Ils pensent que ça veut dire cadeau. Non, non, non. Noël signifie? Voilà, nativité. Donc, Noël est une question de naissance. Noël, alors, vous savez, les gens, oui, parce que beaucoup encore ont du mal avec Noël, parce qu'ils me disent, ouais, mais c'est une fête païenne. Au début, c'était Saint-Nicolas, tout ça. Parce que, il faut que Dieu donne vraiment la sagesse. Parce que c'est vrai, Noël, au début, c'était pas le 25 décembre, là, on fêtait autre chose. Et puis, l'Église a récupéré, ils ont éclipsé cette fête païenne. Hein. Ils ont éclipsé et puis ils l'ont remplacé par la célébration de la naissance de Jésus, ce que moi je trouve excellent. Parce que tu vois, regarde, aujourd'hui, le 1er novembre, les gens fêtent Halloween. N'est-ce pas? C'était pas comme ça à l'époque. On fête Halloween. Ben, moi je pense que ce serait une excellente idée si demain, et ça viendra dans plusieurs pays, on a un gouvernement qui met dehors la notion de Halloween et qui, à la place de Halloween, introduit le 1er novembre. On appelait ça Toussaint. Sauf que la religion a mis Toussaint, la fête des morts. Non, parce que dans la Bible, les saints sont les vivants. Donc, imaginez-vous que demain, on éclipse Halloween, on bannit le culte des morts et on remplace ça par la célébration des saints, c'est-à-dire de ceux qui sont nés de nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, maintenant, imagine-toi que quelqu'un va te dire, oui, mais cette fête, vous célébrez ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui marchent avec Jésus, mais c'est une fête païenne à la base. Mais justement, on a éclipsé dehors la fête païenne, on a remplacé ça, parce que ça nous permet de célébrer justement la nouvelle naissance. Donc, il y a des idées que les hommes font, que les hommes adoptent, qui ne sont pas si mauvaises. En tout cas, Noël, Dieu merci, on a éclipsé les fêtes païennes, et on parle à la télévision, à France 2, à TF1, de la naissance de Jésus. Dis avec moi la naissance de Jésus. Je n'ai pas entendu. Il y a quatre choses que le Saint-Esprit m'a demandé de vous partager à propos de la naissance de Jésus. La première chose, c'est que la naissance de Jésus prouve que Dieu est amour. Ah, quand on te dit Dieu est amour, maman, tu dois être reconnaissant. Parce que si Dieu n'était pas amour, toi et moi, on ne serait pas là. Si Dieu n'était pas amour, le feu t'aurait déjà consumé. Heureusement que Dieu est amour, bon, miséricordieux, long à la colère, toujours compatissant et riche en bonté. Ce n'est que l'expression de son amour. Dis avec moi, Dieu est amour. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est amour? C'est la naissance de Jésus. En fait, l'amour de Dieu a été couronné. Il a été démontré de manière ultime à la croix. C'est vrai. Mais le fait que Jésus vienne au monde signifie quand même que Dieu a accepté dis avec moi la naissance de Jésus. La naissance de Jésus
La naissance de Jésus, excusez-moi, c'est une énigme que tu comprendras dans l'éternité. Le Saint-Esprit te révélera ce qui s'est passé ce jour-là en direct pendant le culte. Alléluia. Donc je disais que la naissance de Jésus prouve que Dieu est amour. Dis encore, Dieu est amour. L'amour de Dieu a été vu de manière ultime lorsque Jésus était donné à la croix. Mais le fait que Jésus vienne au monde prouve quand même que le Père a accepté de laisser partir le Fils. Ou je dirais que le Fils a accepté par amour pour l'humanité de venir en personne dans un corps humain. Avant d'aller aller à la croix, il fallait déjà qu'il accepte de venir sur terre. Et il est venu par amour. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux nous relate la conversation entre Christ, le Fils et le Père, avant qu'il ne quitte ses attributs divins et qu'il ne vienne dans un corps humain. On trouve cela dans Hébreux chapitre 10, verset 5 jusqu'au verset 7. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, donc là c'est Christ qui parle, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ça c'est quoi comme conversation? C'est la conversation de Christ et du Père qui dit, je viens, tu ne veux ni sacrifice ni offrande pour le péché, alors je viens. La naissance de Jésus signifie qu'il a accepté de venir. Dis amen. La naissance de Jésus signifie que celui qui s'appelait la parole de Dieu, qui était depuis le commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu, la naissance de Jésus prouve que la parole de Dieu a accepté de venir dans un corps humain. Ça veut dire que Dieu a renoncé à son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. Il a enlevé tous ses attributs divins. Il a accepté par amour pour toi et moi d'enfiler, de rentrer dans un corps humain. C'est ce qui est écrit dans Philippiens 2, versets 6 à 11. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Bon, ça c'est pour la Pâque qu'on sortira ça. Tout genou fléchira, toute le Dieu excellent, le Dieu parfait. Même les anges, quand on leur dit, est-ce que tu veux y aller, dit jamais. Gabriel, tu veux pas y aller, jamais. Dans un corps humain, jamais. Dans cette imperfection, jamais. Dans ce péché, dans ce corps de péché, dans ce corps de chair, jamais. Il dit, ok, je vais y aller. Waouh. Il a prouvé. Dieu n'a pas parlé d'amour. Dieu a démontré qu'il était amour. Plus jamais tu n'as le droit de douter que Dieu est amour. Ne conjugue pas son amour à ce qui arrive dans ta vie. Conjugue son amour au fait qu'il a accepté de se dépouiller pour rentrer dans un corps humain. Quelqu'un me dit un bon amen. Tu vois, je vais te dire une chose. Tu peux connaître certaines vérités. Même quand tu les connais, quand tu en entends parler, ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'elle n'est jamais démodée, elle n'est jamais obsolète. C'est-à-dire que quand tu en entends parler, quand tu sais que c'est vrai, normalement, ça doit réveiller en toi un sentiment, ça doit réveiller ta mémoire et dire, oh Seigneur, merci de ce que tu es venu. Parce que s'il n'y avait pas eu ta naissance, il n'y aurait pas eu ma nouvelle naissance. Je suis reconnaissant. Seigneur, merci. Et en fait, c'est pour ça que tu acclames. Ce n'est pas parce que tu ne le sais pas, c'est parce que ta mémoire est réveillée. Ta mémoire est réveillée. Et quand ta mémoire est réveillée, c'est pour que l'action de grâce soit réveillée. Il n'y a rien de pire aux yeux de Dieu que des ingrats. Soyons reconnaissants. Dis avec moi la naissance de Jésus.
Deuxièmement, la naissance de Jésus prouve que, signifie plutôt que Dieu a entendu le cri de l'humanité et que Dieu a décidé de libérer, Dieu a décidé de manifester le libérateur ou le sauveur promis. Luc chapitre 2 verset 11, c'est aujourd'hui dans la ville de David, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Matthieu 1 verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quelqu'un dit amen. La naissance de Jésus signifie que Dieu a entendu le cri de l'humanité et a décidé de répondre. L'humanité toute entière était exactement comme le démoniaque de Gadara. Le démoniaque de Gadara dont il est dit que cet homme passait son temps à crier et à se meurtrir, à se blesser. Il criait, il se meurtrissait seul dans les sépulcres au milieu des morts et des cadavres. Ce n'était pas seulement en réalité, ce démoniaque de Gadara en réalité était une ombre, est une représentation de la condition et de l'état de l'humanité tout entière. L'humanité était comme le démoniaque de Gadara. Les gens criaient de désespoir. Les gens étaient esclaves du péché, esclaves de la maladie. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je suis en train de faire. Je n'ai pas envie de détruire, je suis en train de détruire. Je n'ai pas envie d'être mauvais, je suis en train d'être mauvais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'était la condition du cœur de l'homme. Les âmes étaient blessées. Les maladies faisaient rage. Mais de même que Jésus a entendu les cris de cet homme de Gadara, la naissance de Jésus signifie que Dieu a entendu et a répondu au cri de l'humanité qui était esclave, qui était enchaînée, qui était liée et qui était tourmentée. Seigneur, merci d'avoir entendu les cris et d'avoir engendré, d'avoir manifesté le Sauveur, le Seigneur, le Christ. Et ce pourquoi tu dis amen. Et pourquoi est-ce que tu acclames? Tu acclames pour exprimer, Seigneur, merci. Je me souviens. Dis avec moi, Seigneur, merci. La gratitude, l'action de grâce est une attitude qu'on ne doit jamais tirer de toi. C'est un conseil que je te donne. La gratitude doit être un état d'esprit permanent chez toi. Ou en tout temps, quand tu sais, quand tu es conscient, tu dis, Dieu Seigneur, merci. En tout temps. Quand une parole est vraie, tu dis merci. Tu te lèves le matin, tu dis, ah, merci. Même quand tu as mal, quelque part, tu dis merci. Je ne suis pas à terre, je ne suis pas retiré de la terre des vivants, je suis encore sur la terre. Merci. Seigneur, pour moi, rien n'est acquis. Peut-être pour les autres, c'est une évidence, mais moi, Seigneur, rien n'est acquis. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je ne prends rien comme acquis. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui, moi, tu peux me voir acclamer tout le temps, juste tout seul dans mon coin. Seigneur, merci. Merci. Dis avec moi la naissance de Jésus. Un, elle signifie que, elle prouve que Dieu est amour. Deux, elle prouve que Dieu a entendu le cri de l'humanité. Trois, et ça encore, ils me l'ont piqué tout à l'heure dans leur troupe là. La naissance de Jésus prouve que Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Pourquoi on dit ça? Parce que, comme ça a été dit, la naissance de Jésus est l'accomplissement d'une prophétie que Dieu avait, d'une parole, d'une prophétie, d'une promesse certaine que Dieu a fait au serpent. Dans Genèse 3, au verset 15, lorsqu'il lui a dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. » Ce que la génération d'Adam et Ève et la génération des patriarches, ils en ont entendu parler, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu, Dieu l'a manifesté 4000 ans plus tard, environ 4000 ans plus tard. Dieu l'a manifesté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la naissance de Jésus prouve que la fidélité de Dieu n'a pas de limite dans le temps. Même 4000 ans plus tard, Dieu est capable de veiller sur sa parole pour l'exécuter. 4000 ans plus tard,
La naissance de Jésus est un puissant message concernant la fidélité de Dieu. La naissance de Jésus est la preuve que la parole de Dieu finit toujours à la fin. Si c'est sorti de sa bouche, mon gars, cette parole finit toujours par s'accomplir. La naissance de Jésus prouve que la fidélité de Dieu ne connaît aucune date de péremption, aucune date d'expiration, aucune date de péremption. La parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. C'est pourquoi le Saint-Esprit a dit à Bartimée, chaque fois que tu entends un son qui sort de la bouche de Dieu, ne le prends pas à la légère. Si tu entends une prophétie, si tu entends une promesse, Habacuc, quand Dieu parle, écris la prophétie, écris la promesse, mets-la sur des tables de pierre. Habacuc chapitre 2, au verset 2 à 3, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Même si elle prend 5 ans, même si elle prend 10 ans, même si elle prend 100 ans, même si elle prend 200 ans, même si elle prend 400 ans. 400 ans, c'est rien. Celle-là, la prophétie là, de Genèse 3, a mis 4000 ans, mais elle a fini par parler. Oh Seigneur, je suis reconnaissant. Elle a fini par parler. Il m'a dit, moi je travaille, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si cette parole n'est pas exécutée à travers ta vie, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oui, mais ma vie, je veille, je suis un Dieu qui travaille avec des générations. Je travaille, parce que les Isaïe ont dit, mais on n'a pas vu. Jérémie a dit, mais on n'a pas vu. On l'a senti, on l'a annoncé, on l'a perçu en prophétie, mais on n'a pas vu. Isaïe dit, ah, je vois comment c'est quoi ce mystère-là? Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et puis quand Isaïe sort la prophétie de sa bouche, il dit, mais qu'est-ce que je vais te raconter là? Un enfant est né, un fils est donné. Mais c'est quoi ça? Un enfant né et fils donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix, père éternel. Mais c'est, de quoi je suis en train de parler? Seigneur, je veux comprendre. Non, mais Dieu avait à les faire parler la prophétie. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit amen? La naissance de Jésus prouve la fidélité de Dieu. Mon frère, ma soeur, si Dieu est capable d'accomplir une parole même après 4000 ans, waouh! Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quelqu'un me dit amen? Amen. La naissance de Jésus signifie que plus le temps passe, la voix du tentateur te dit Dieu a oublié. Mais il m'a dit non. La naissance de Jésus est la preuve que plus le temps passe et plus, c'est pas que Dieu a oublié, mais plus tu te rapproches de la manifestation de ce que Dieu a dit. C'est, plus le temps avance et moins Dieu oublie. Plus le temps avance et plus la date de la manifestation se rapproche. Parce qu'il dit, la prophétie est pour un terme, et pour un temps dont le terme est fixé. Ça veut dire quoi? Chaque jour qui passe où la situation n'a pas changé, ne t'annonce pas que la situation va rester fixe. Elle t'annonce que tu te rapproches de la date butoir d'Exode. Oh, bravo! Chaque jour qui passe où tu as l'impression que les autres jours passés n'ont rien produit, justement, ils n'ont rien produit parce que le temps fixé n'était pas encore accompli, mais ils se rapprochent. Chaque jour qui passe, je me rapproche de la manifestation. Alors tu me diras, mais si je ne vois pas la manifestation, et si tu ne vois pas la manifestation, il m'a dit, il est un Dieu générationnel. Il m'a dit de te dire, ce dont toi tu ne verras pas la manifestation, ce que tu ne verras pas de ton vivant, ta postérité le verra. Et ce que ta postérité ne verra pas, la postérité de ta postérité le verra. Et ce que la postérité de ta postérité ne verra pas, la postérité de ta postérité de ta postérité verra. Ne t'inquiète pas, Dieu a l'éternité et sa parole finira toujours par s'accomplir. Depuis que Dieu a manifesté la prophétie de Genèse 3, 15, ne prend plus jamais à la légère une seule promesse de Dieu. C'est pour ça que Pierre leur dit, attendez, Pierre leur dit dans 2 Pierre 3, versets 8 à 9,
Pierre leur dit, eh bien aimé, attendez, attendez, vous ne comprenez pas. Hein? Parce que les gens disaient, mais ouais, donc la promesse de son avènement, vous dites qu'il va revenir, vous dites, vous dites, vous dites, vous dites. On ne voit toujours rien. Le mal continue d'être le mal. Mon gars, attention, ne parle pas vite. Alors Pierre leur dit, il y a une chose bien aimée, c'est que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse ou de la prophétie, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais il n'a pas oublié, il est juste patient. Mais quand Dieu a manifesté la naissance de Jésus, 4000 ans après, tu ne peux pas te permettre de prendre à la légère toutes les autres promesses qu'il a faites. Voilà pourquoi nous sommes confiants pour le reste des promesses. S'il accomplit celle-là qui a pris 4000 années pour se manifester, nous sommes confiants pour le reste des promesses. Ça veut dire que la résurrection des morts est certaine. Ça veut dire que lorsqu'il dit que nous serons, lorsqu'il dit dans 1 Jean 3 verset de bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà enfants de Dieu, et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, mais quand ça sera manifesté, nous serons exactement comme lui. Ça veut dire que cette promesse-là est certaine. Ça veut dire qu'elle est certaine, non ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la fin de l'histoire, nous serons comme Christ glorifié, ressuscité et glorifié. Et cette parole est certaine. Si une voix te dit non, ça c'est pas réalisable, c'est pas réaliste, cette parole est certaine. Comment tu sais qu'elle est certaine ? Mon gars, plus de 4000 ans, il a attendu le bon moment pour manifester la naissance de Jésus. S'il a manifesté la naissance de Jésus et qu'il n'a pas oublié pendant 4000 ans, il n'oubliera pas celle-là. Ça veut dire, nous sommes confiants pour la résurrection des morts. Nous sommes confiants dans les promesses qui annoncent l'enlèvement de l'Église. C'est une certitude. S'il a accompli au bout de 4000 ans la naissance de Jésus, ça veut dire que l'enlèvement de l'Église qui a annoncé dans les Écritures, notamment dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, hein, il y en a plusieurs, mais versets 15 à 17 entre autres, ça veut dire que l'enlèvement de l'Église aura bien lieu. S'il a manifester la naissance de Jésus, ça veut dire que les promesses qui annoncent la parousia, ce qu'on appelle le retour de Jésus, ça veut dire que ce retour s'accomplira certainement. Moque-toi de moi, dis-moi, oh, vous perdez votre temps, vous croyez ça? Oui, ma Bible dit que ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Ah, ma Bible dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, ceux qui avaient dit crucifions-le, ils vont le voir arriver avec tous les saints. Oh, when the saints. Oh, when the saints, oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I wanna be in the number. Oh, when the saints go marching. Oh, go marching. Tu sais pas chanter ça? On y va! When the saints. Attends. C'est quoi ton problème? Ah, tu es en train de penser à la nourriture et aux bûches? Shame! Quelle honte! Tu penses à la nourriture? Mais alors, ça devrait te réjouir. Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints go marching. Oh, Lord, I wanna be in thy name. Oh, when the saints. Oh, my king. Oh, when the saints. Oh, when the saints. Go, my king. Oh, when the saints. Go, my king. Oh, when the saints. Oh, when the saints. Go. Plus fort, plus fort, plus fort, toi, là. Oh, when the saints go. Oh, when the saints go. Oh, when the saints go. Oh, when the saints, oh, when the saints go. Oh, when the saints. Je serai derrière, vêtu de vêtements de fin lin blanc. Je serai derrière lui, et nous reviendrons pour gouverner la terre au siècle des siècles. Comme King. Oh, way of sin.
me dit amen. Si il a manifesté la naissance de Jésus, nous sommes confiants dans le fait qu'il manifestera la promesse de son retour. Nous sommes confiants dans le fait qu'il manifestera des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la Bible dit que la justice habitera. Nous sommes confiants dans le fait que la Bible dit que nous régnerons avec lui au siècle des siècles, car tu as racheté pour Dieu ton sang des peuples de toute langue, toute race, toute tribu, toute langue, toute tribu, toute ethnie, et tu en as fait des rois et des sacrificateurs. Apocalypse 5, verset 10 est certain de s'accomplir. Si cette parole-là, au bout de 4000 ans, s'est accomplie, mon frère, tu serais insensé de croire que ce que Dieu a dit à propos de sa venue, à propos du règne avec Christ au siècle et des siècles, ne s'accomplira pas. Ce n'est pas parce que la promesse tarde qu'elle ne s'accomplira pas. Il te l'a démontré. Lorsque les gens disaient, oh, c'est fini, cette histoire de Messie, plus jamais, on restera dans la captivité. Satan disait, c'est fini, Dieu vous a oublié. Mais oh, lorsque les temps furent accomplis, Gabriel dit à une, va voir Marie, il dit prépare-toi. Le temps est arrivé. Hey, voisin, tu sais, la personne qui est à côté de toi qui n'acclame pas pense à Noël. Mais toi, je suis reconnaissant pour ta vie. Parce que toi, on voit que tu ne penses pas. Tes yeux ne sont pas sur Noël. Tes yeux sont sur Christ. Wow. Wow. Quelqu'un me dit amen. La naissance de Jésus prouve que Dieu est fidèle. Tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Les paroles qu'il a prononcées sur toi et sur ta postérité. Si tu as cru en ces paroles, écoute maman, papa, si tu as cru au salut pour tes enfants, sois détendu. Si tu quittes la terre, ton enfant est en boîte de nuit. Il est dans la drogue. Pars en paix. Si tu as gardé le dépôt, va en paix. Le dépôt que tu as gardé parlera. Oh! Il m'a donné cette certitude. La foi n'échoue jamais. Ne pleure pas en disant, elle est morte, il est mort, elle est partie. Pourtant, elle aimait Jésus. Ses enfants ne sont pas convertis. Quelle tristesse. Non. Si elle est morte en 10 ans, mes enfants seront des disciples de Jésus. C'est fini. Oh, dis un meilleur amen. Il y a deux personnes. Dieu est fidèle. Le quatrième point, je finis, c'est que la naissance de Jésus est célébrée, ils l'ont dit tout à l'heure, chaque fois qu'une personne donne sa vie à Jésus. Vous voyez, il y a eu fête. Les anges ont apparu. L'armée des cieux a entonné un chant. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit le règne qui vient. Mais c'est parce que la naissance de Christ, la naissance de Jésus, n'était pas la naissance d'un Adam. Ce n'était pas un homme. C'était la postérité de la femme. Il ne sortait pas d'un homme. Il était engendré par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Les rois mages ont apporté des cadeaux, pas parce qu'un enfant venait de naître. Il n'a, mais parce que c'était pas une, en quoi c'est une bonne nouvelle qu'un esclave vient de venir au monde et qui va causer lui aussi des problèmes au monde. Tu as déjà vu un Adam qui solutionne les problèmes du monde? Ce n'est pas un sauveur. Il dit, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La raison pour laquelle ils ont emporté des cadeaux, c'est parce que ce n'était pas un homme ordinaire qui venait de naître. C'était Emmanuel, Dieu est avec nous. Ça voulait dire Christ. Il dit qu'il est le Christ, le Seigneur. Ça voulait dire que Dieu, c'est pour ça qu'on a apporté des cadeaux. Dieu venait de rentrer dans une enveloppe humaine. C'est pour ça qu'on appelait Christ.
Et c'était ça la bonne nouvelle. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Waouh. Donc, en réalité, si on veut parler du vrai sens de Noël, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, comprends bien, les rois mages ont apporté des cadeaux parce que Dieu, enfin, reprenait une enveloppe humaine. Ce qui ne s'était pas produit depuis la chute. C'est pour ça qu'ils ont amené des cadeaux, c'est pour ça que les anges sont apparus, c'est pour ça qu'il y a eu la fête, c'est pour ça qu'ils ont chanté. Et c'est pour ça qu'on chantait à l'époque. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantant tous son avènement. Pasteur Ivan, en mots? Mais oui! Mais ce chant est bien! Parce que le divin enfant, ça veut dire quoi? L'enfant divin, c'est l'enfant de Dieu! Et c'est pour ça qu'on a apporté des cadeaux, qu'on a fait la fête. Si tu me suis dit amen. Amen. Alors, tu veux fêter Noël? Noël, c'est la nativité. Pourquoi on a fêté Noël? Pas parce qu'un Adam venait de naître, parce que Christ venait d'être incarné. Amen. C'est ça, le sens de la nativité. C'est Christ qui venait d'être incarné. Alors, le Seigneur m'a dit, vous voulez fêter Noël? Alors, tu veux fêter Noël? Célèbre, parce que Christ est incarné à quel moment? On l'a dit tout à l'heure, Christ est incarné lorsque tu reçois Jésus et que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Là, on doit chanter cette chanson. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui. Peut-être que sur la terre, on n'a pas chanté ça. Mais chaque fois qu'il y a eu une nouvelle naissance, ça veut dire que Dieu vient de trouver une nouvelle enveloppe. Et les anges se réjouissent et ils font la fête. Un de plus, un Christ de plus sur la terre. Il est né le divin enfant. Chant aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant. Chantant tous son avènement. C'est la nouvelle naissance qui fait de toi un Christ, qui emmène Dieu en toi et qui produit ce chant. Donc, Jésus a... Ce chant a été chanté pour Jésus. Mais chaque fois que Christ vient en toi, les anges chantent la même chanson. Alors, donc, à 3h du matin, le Saint-Esprit m'a dit, tu veux fêter Noël? Tu veux fêter Noël? Je dis oui. Alors, célèbre la nouvelle naissance, la tienne, et celle de ton frère, et celle de ta soeur. C'est ça Noël! C'est ça Noël! Quelqu'un dit amen. C'est tout. Il faut redéfinir Noël. Redéfinir Noël. Tu veux fêter Noël? Regarde-moi et chante. Pourquoi ils ont chanté? Parce que lorsque Christ est formé en toi, lorsque Christ entre en toi, un sauveur, dans son époque, dans sa génération, vient d'être enfanté. Voilà pourquoi ils ont célébré. Voilà pourquoi ils ont chanté. Voilà pourquoi les anges ont apparu pour chanter. Pourquoi? Un sauveur est venu dans son époque. C'est-à-dire que Christ, à travers cet homme, va impacter sa génération. C'est pour ça qu'ils ont célébré en avance. Parce qu'ils croyaient, ils croient dans la réalité du ministère du Saint-Esprit à travers toi et à travers moi. Alors, je vais juste finir. Je vais finir avec une réflexion. Parce que je vais finir avec une réflexion, parce qu'il y a un désordre quelque part, mais que nous tolérons et que nous acceptons avec beaucoup d'amour et de compassion et d'humour également. Mais la vérité, il m'a dit, c'est que normalement, à Noël, de la même manière qu'on a emmené les cadeaux à Jésus, pas aux autres enfants, à Jésus, parce que Christ était en lui, parce que c'était Christ
manifester. Dis Amen. Dis Amen. De la même manière qu'on a apporté les cadeaux à Jésus parce qu'un sauveur venait de naître. De la même manière, normalement, dans l'ordre des choses, les seules personnes qui devraient recevoir des cadeaux à Noël, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Normalement, excusez-moi. Oh, quel délire. Mais c'est ça la vérité. Maintenant, dans notre bonté, dans notre amour et dans notre miséricorde, nous acceptons que tous les autres reçoivent des cadeaux. Mais les cadeaux, c'est pour les sauveurs. Les cadeaux, c'est pour ceux qui transportent Christ. Parce que ceux-là sont capables de faire la différence dans leur génération. Ils sont libérés pour libérer. Ceux-là deviendront des libérateurs et des sauveurs. Dans les différentes sphères d'influence où Dieu les enverra. Dieu sait que le Saint-Esprit va agir à travers eux pour sauver. Normalement, à Noël, c'est toi et moi qui devrons recevoir des cadeaux. Les gens acceptent de partager des cadeaux. Wow. Si tu comprends ce qu'on dit, tu comprends que Noël a lieu chaque fois qu'une personne accepte Jésus et que le Saint-Esprit vient habiter en elle. Ça n'a rien de religieux, mon frère. C'est très fort, c'est très puissant. Dieu veut faire de toi un sauveur dans ton époque, dans ta génération. Dieu veut faire de toi un libérateur. Comment un prisonnier appelé Adam peut-il devenir un libérateur? Comment un perdu appelé Adam peut-il devenir un sauveur? Il faut d'abord que tu sois sauvé afin de devenir un sauveur. C'est pour ça que Christ doit venir en toi. C'est pour ça que je t'en supplie en ce jour si spécial. Je crois qu'il n'y a pas plus beau jour pour donner sa vie à Jésus qu'aujourd'hui. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, oh oui, oh oui, oui. Oui, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout. Recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Repartir en héros, avec Jésus pour berger et repartir à zéro. Et repartir en héros avec Jésus. Et repartir, tu peux. Il n'y a pas de meilleur jour qu'un 25 décembre pour expérimenter la nativité, la nouvelle naissance, la manifestation de Christ. Et repartir, tu peux repartir. Je ne sais pas d'où tu viens. Peut-être es-tu juste de passage. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, t'interpelle aujourd'hui. Et tu peux repartir. Tu peux partir d'ici. Tu peux repartir à zéro dans ta vie. Et ressortir d'ici en héros de Dieu. En sauveur. En libérateur. Sauvé pour sauver. Libéré pour libérer. Transformé pour transformer. Héros avec Jésus.
repartir en héros. Avec Jésus pour berger. Avec. Avec Jésus. Tu n'es pas obligé de rester seul. Avec, tu peux repartir avec Jésus. Très rapidement, le temps est déjà dépassé. Mais y a-t-il une personne qui, au son de ma voix sur Internet et dans les salles de ce site, y a-t-il une personne qui a envie de saisir cette opportunité du 25 décembre pour revenir à Jésus? Il n'y a rien de plus beau que de profiter du jour de la nativité pour expérimenter la nouvelle naissance. Recevoir Jésus dans ta vie, devenir Christ alors que le Saint-Esprit viendra en toi. Si tu es là, lève la main rapidement. Y a-t-il une personne qui lève la main? Viens devant, prends tes affaires, viens devant, rapidement. On acclame. Venez vite. Avec. Tu es sur le point de repartir avec. Église, on acclame le Seigneur, j'ai dit. Je n'accepte pas de te voir les mains comme ça. Je n'accepte pas de te voir croiser les mains. Tu dois les acclamer. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel en ce lieu. Avec. Wow, ils sont nombreux. Le véritable Noël a lieu chaque fois qu'une personne donne sa vie à Jésus. Et sur Internet, cliquez simplement sur le bouton. Cliquez. Avec. Jésus pour berger. Encouragez-les. Plus fort. Une vie nouvelle commence lorsque vous recevez Jésus. C'est une expérience extraordinaire. Ça n'a rien de religieux. C'est la véritable nativité. Ça veut dire que le jour de Noël, quand on vous dira joyeux Noël, on sera en train de célébrer votre nouvelle naissance. Ça sera le jour où vous aurez accepté Jésus. Quand tu diras joyeux Noël, tu te rappelleras de oui, c'est vrai. C'est un joyeux jour. Parce que ce jour, Christ est venu dans ma vie. Vous allez lever les mains. Une main si c'est bon. Vous allez prier avec nous cette prière. Vous allez faire avec moi, vous allez la répéter après moi. C'est une prière par laquelle vous allez juste inviter Jésus à venir dans votre vie. Et soyez certain que quand vous allez faire cette prière, Jésus va rentrer dans vos vies. Et un nouveau jour va commencer pour vous. La lumière se lève sur votre vie. Et on me dit que sur Internet, il y a 35 personnes qui ont répondu. Oui, nous acclamons le nom du Seigneur. Alors, et sur Internet et ici, vous allez répéter avec moi ces paroles, Seigneur Jésus. Église, nous allons les aider à prier, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. J'ai entendu ta voix. Je réponds à ton appel. Je te demande pardon pour mes péchés, pour ma séparation. Aujourd'hui, je t'invite de tout mon cœur à venir dans ma vie. À être mon sauveur, à être mon Seigneur, à faire de moi un Christ
sauveur sur la terre. Merci de pardonner mes péchés, de me laver par ton sang. Sur la base de mes paroles, je crois et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, divin enfant, enfant de Dieu. Il y a une fête dans le ciel. C'est un jour de joie dans le ciel et sur la terre parce qu'un enfant est né, revenu à la maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons mon Dieu. La prière que vous venez de faire est une prière extraordinaire. Et nous, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est la nativité véritable. Nous allons prendre vos coordonnées. Je vais vous demander de suivre le conseiller. Et ce qu'on va faire, on va vous remettre des cartons à remplir. On ne laisse pas un enfant qui vient de naître seul à lui-même. On en prend soin. C'est ce que nous voulons faire avec vous. Et nous allons juste prendre vos coordonnées. On ne va pas vous garder longtemps. Juste prendre vos coordonnées et vous remettre le livret. On en remet aujourd'hui ou pas? On le remet maintenant aussi. Voilà. Et vous pouvez repartir vous asseoir. Mais en tout cas, à vous surtout, j'ai vraiment envie de dire joyeux Noël. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer? Allez, allez, allez! Acclamez le Seigneur, vous toutes les nations! Faites retentir des cantiques en son honneur! De grâce, nous sommes reconnaissants. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as permis de nous souvenir qu'un jour Jésus est venu. Christ a été manifesté. Et parce que Christ a été manifesté pour la première fois il y a environ 2000 ans, merci de ce que tu as ouvert la voie parce que tu es le commencement, Seigneur, d'une nouvelle race, d'une nouvelle humanité. Merci de ce que ce jour de la nouvelle naissance, la véritable nativité, où Christ vient dans un corps humain. Merci de ce que c'est toi qui as inauguré ce jour. Merci de nous rendre conscients de la profondeur de ta naissance, de ce qu'elle implique, du message fort et puissant qu'elle adresse. Merci de ce que ton amour ne peut plus être discuté. Merci de ce que le fait que tu as entendu ne peut plus être contesté. Merci de ce que ta fidélité ne peut plus être discutée. Merci. Père, accorde-nous la grâce de méditer et de célébrer la véritable nativité en ce jour où le monde ne sait pas, ne connaît pas la profondeur de ce qu'il célèbre. Mais accorde-nous la grâce de célébrer cette journée en pensant à ce que tu as fait de nous, des Christ sur la terre, lorsque tu es venu dans nos vies. C'est de cela qu'il s'agit. Et merci pour cette journée, pour cette semaine. Au nom de Jésus, merci d'avoir fait de nous des Christ. Merci. La véritable fête de Noël, c'est ton frère, ta soeur et toi-même ayant accepté Jésus. Merci. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen. Nous pouvons acclamer plus fort que ça le Seigneur.
Amen. Acclamons, acclamons, acclamons. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes quasiment arrivés au terme de notre deuxième célébration. Je vous prie de bien vouloir prendre place dans la présence de Dieu et nous saluons également notre famille internaute et nous nous retrouvons pour notre temps de célébration le 31. Gloire à Dieu. Alors, nous avons pour habitude à Impact Centre Chrétien d'accueillir dignement, d'accueillir comme il se doit les personnes qui viennent à Impact Centre Chrétien pour la première fois.